Savez-vous que la pire chose que vous pouvez faire, c'est de rester planté assis sur une chaise toute la journée? Cela peut affaiblir et raccourcir certains muscles de votre corps et contribuer à de mauvaises postures, du stress et un mauvais sommeil. Tout cela à cause d'un muscle que l'on appelle le psoas. C'est le seul muscle qui relie la partie supérieure du corps à la partie inférieure. Il se fixe sur les vertèbres, se déplace à travers le bassin et se fixe sur le fémur. Le muscle iliopsoas est un des muscles fléchisseurs de la hanche qui peut causer des douleurs dans la partie supérieure de la cuisse à l'avant et dans le bas du dos. Celles-ci apparaissent généralement quand le muscle est trop ou trop peu sollicité. Cela se traduit par des raccourcissements, des tensions qui peuvent entraîner des douleurs. Cela peut être votre cas si d'abord il y a une position raccourcie constante. Il s'agit ici de presque toutes les positions assises car la hanche se retrouve fortement pliée, souvent à plus de 90 degrés. Je voudrais citer ici le travail au bureau, la conduite donc en voiture, parce que nous y passons souvent beaucoup d'heures. Ensuite, autre cas, c'est quand il y a une sollicitation excessive permanente. On peut être exposé à une surcharge permanente, en particulier lors d'activités sportives, car les hanches sont souvent fléchies rapidement et fortement ou de façon constante. Comme par exemple le vélo, l'escalade, quand on donne des coups de pied dans les sauts en hauteur ou alors dans les arts martiaux. Ça peut être aussi dans certains cas dans la course à pied. Un psoas serré ou contracté peut affecter votre santé physique et mentale. Il peut y avoir un relâchement du ventre, souvent ce qu'on appelle un ventre gonflé. Il peut y avoir une prise de poids. Il peut y avoir une mauvaise circulation sanguine, des problèmes de digestion, manque d'énergie, des problèmes de respiration et voire même du stress. Il existe des techniques spécifiques pour prendre soin de votre psoas. Dans cet atelier, je vais vous donner des techniques de pointe pour obtenir un psoas détendu et libéré. C'est un cours d'une heure, une heure d'entraînement composé de stretching, de mobilité articulaire et d'activation musculaire. Le tout dans un ordre très spécifique. L'avantage d'avoir un psoas libéré est que vous vous sentirez plus ancré et plus détendu. Physiquement, vous serez plus souple et vous aurez plus de mobilité dans les mouvements de tous les jours avec beaucoup moins de raideur. Alors l'atelier est accessible, que vous soyez membre ou pas, du studio. Vous avez ci-dessous tous les détails concernant cet atelier. Si vous pensez que cet atelier peut intéresser des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur votre page Facebook. Vous avez juste à copier la petite phrase présente sous cette vidéo. Si vous avez des questions, c'est dans la zone de commentaires juste située également sous cette vidéo, en bas de la page. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.